Plus problème, moins solution, bagay yo compliqué dans la République. Chaque semaine, son nouveau feuilleton, le pas politique, li économique, nous gè COVID là, qui a terrassé population haïtienne. Non, maintenant, gon feuilleton sanglant, côté que, nèg di bois, nèg gravi, n'y a pas affronté de manière continue. Depuis, moi, juin, on commence là, c'est coup de zame qui a tiré dans la troisième circonscription Port-au-Prince, route nationale numéro 2 bloqué, gon nombre incalculable de victimes dans mitan population. Autorités concernées ont fait silence. Nous pas tande rien par bon côté direction générale la police, DG Léon Charles Bekeke, chef CSPN Claude Joseph Bekeke. Donc là, n'a posé tête nous question. Qui ça paye en vini? Est-ce que nous avons autorité dans le pays? Est-ce que les dirigeants sont conscients de danger ou même yo représenté pour pays faute de responsabilité? Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur TAC 509. On a émission Mon Éditorial. Si vous faites tomber sur channel là, m'a invité à abonner. Et déjà, ou même qui l'a avec nous bien longtemps, m'a profité de merci. Merci pour écouter, merci pour fidélité, ou merci pour attention. Nous parlons pas les pays, parce que dans point nous arrivons là, avec violence programmée, ça y est. Guerre de gang continue, ça y est. Irresponsabilité, autorité d'État, yo. Des dirigeants politiques, qu'a fait peuple a fait macaque en toute conscience, ça a mérité pour dénoncer. Pour m'aider public à comprendre que pays arrivé non stade, pays arrivé non point, nèg politique yo traîné pays en non dimension, côté que nous tomber dans situation de sauve qui peut. Et c'est bien malheureux. C'est bien malheureux pour nous perdre le sens de la fraternité, pour nous perdre le sens de l'unité, parce que nèg yo a approprié de pays. Nèg yo yo accaparé au de système politique là. Nèg yo a facilité insécurité en un pays. C'est très regrettable. Nous pral faire débat yo pral l'ouvrir. Des micro présentations, c'est toujours même Yannick la même voix. Rien pas changé. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Je dis à la, c'est difficile pour lever, pour parler de Haïti pour pas gagner frustration. Pour pas gagner bagay qui dérange, que ce soit dans la politique, là, que ce soit dans ce qui est pour avec l'économie pays, que ce soit dans la sécurité, gon bagay qui a dérangé. Parce que structure nous gen là dans pays, modèle de système politique que nous mette, li ba un pile problème. Quelque part, m'kon a questionné tête, m'kon dit bon, nous pas prêts pour démocratie, démocratie nous gen là li précaire parce que nèg politicien yo pas comprendre les valeurs démocratiques, yo pas comprendre limite démocratie, yo pas prêts pour démocratie. Mais de l'autre côté m'a dit moi bon, si nèg politique yo même qui pour la plupart, c'est des intellectuels. C'est des soi-disant élites. Yo pas comprendre sens politique là, yo pas comprendre devoir, yo pas comprendre obligation que politique là exige. Et que yo vle former moun, yo vle accaparer de pouvoir, yo vle guider ensemble dans population. C'est qui résultat n'a gagné. Avec qui ça nous ka attendre nous. Jodi an politique a fait dans pays. Nous gagne des hommes politiques que ce soit dans opposition politique là, que ce soit dans pouvoir public là. Yo tout dou yo se politicien, yo tout dou yo ap défendre peuple. Alors que véritable problème, sous problème yo. Différents catégories problèmes qui gagnent dedans pays en jodi a là, li prend naissance à partir de la politique. Que ce soit un groupe nèg qui a créé des facteurs, qui a créé des situations pour yo même, pour yo gérer pouvoir, pour yo faire 5 ans yo, pour yo aller gon problème qui généré quand même, gon problème qui prend naissance. Parce qu'en Haïti, il devient monnaie courante. C'est presque la règle, c'est presque un principe lié, diriger, c'est se compromettre. Parce que pour nèglan kembe pouvoir, pour nèglan gagner pouvoir, li pa peut faire alliance avec n'importe groupe gang,
Li pa pe fè alliance avec n'importe or la loi des moun kap terrorize population. Parce que li besoin akaparil de pouvoir là, li besoin vin jouer privilège. Et jodi an la, scandale après scandale politique, pour attendre Abdou, gè des anciens sénateurs de la République, qui kon ap bay bandi l'argent, gè des sénateurs de la République, pour Abdou, gè des hommes du pouvoir, des alliés du pouvoir, qui kon ap pote l'argent aller, que ce soit pour chef Tibois, chef Granvin, etc. C'est des situations qui mettent ou même inconfortables. En tant qu'haïtien, ou même qui ont un minimum de compréhension de ce qu'a fait dans la politique, là, ou paraît inconfortable, ou tout à fait, ou sans tout lésé dans vous-même. Parce qu'on nous, un pays, ou pas qu'à jeune service de base, ou pas qu'à jeune accompagnement l'État, ou pas qu'à jeune sécurité, et puis, gain l'argent qu'a distribué, gain distribution de richesse qu'a fait, pas un petit groupe moun qui déjà eux-mêmes sont bon qui fait partie de l'élite économique là qui fait partie de la bourgeoisie y a joui de privilèges y a gain richesse pays en amèyo et le pire dans tout ça ou joine encore des hommes politiques dedans pays qui a circulé l'argent qui a fait l'argent circuler dans le mauvais sens. Mauvais sens, c'est bandit qui a besoin de l'argent. Et l'argent, ça ne veut pas faire l'autre bagaille que acheter des armes, que acheter des munitions pour terroriser la population encore. Jodi an la, guerre de gang sa ki éclaté dans 3e circonscription Port-au-Prince. Mortissant, moun fon tamara, jodi an yo vulnérable, yo ap dormi sou place, bandi yo même, yo pa gen aucune inquiétude, yo ap circulé avec gros âme et c'est pendant situation ça, c'est à chaque situation qui éclaté dans 3e circonscription, dans Mortissant, dans fon tamara. Dans le village pour voir quantité d'âmes qui gagnent dans le pays. Et à chaque fois, un groupe gang, un problème, ouais, on mettait pays, on mettait Port-au-Prince tête en bas. On vient me dire tout. Bon, âmes ça yo. Est-ce que le l'état de comme ça yo saisi quantité d'âmes? Après ça pas jamais entendu hein. Est-ce que âmes ça yo pas redistribuer par gang yo? Est-ce que âmes ça yo pas redistribuer par bandi? Parce que nous pourquoi jamais pour une fois côté que nous mon cargaison âmes l'état te saisi et que cargaison âmes ça yo boule lieu des tuiles. Nous pourquoi jamais ça pour une fois? Mes âmes toujours à circuler, âmes toujours à rentrer dans pays hein. Toujours des nouveaux âmes ouais bandi, alors ouais bandi a fait show off, la fait vidéo pour le poster sur réseaux sociaux. Li des âmes tout neuf dans mel. Côté âmes ça yo sorti. Moun a mouri inutilement, jeune femme jeune garçon perdu la vie yo, moun ki te ka utile société a, si l'état, si autorité l'état ou te ba yo chance. Étant donné ces petites soyez touye, étant donné pas sorti dans la bourgeoisie, étant donné papa ou maman yo pas de gon étiquette ou pas de chance. Parce qu'on fait en Haïti jodi a, ou vin sensé pour ton fort, ou vin sensé pour ton poids. Le poids de la négligence, le poids de l'oubli, yo tout sous dos parce qu'on c'est haïtien. Li pa ta supposé comme ça. Tout pays c'est pays dans la diplomatie, tout pays égal yon pays. Peu importe si grand pays yo vin meto sous tutelle, peu importe si y a contrôle, mais tout pays dans la diplomatie égal à yon. Haïti vulnérable, mais politicien yo pas vulnérable. Masse défavorisée vulnérable mais bourgeois ou pas vulnérable parce que ce système là ce système politique là qui crée le comme ça ce système politique là qui schématise le comme ça jodi on sou pa gon acolyte dans pouvoir là ou pas passer et m'vin comprendre bien situation k'ap développer dans pays m'vin comprendre pi bien l'oré groupe gang yo vraiment et c'est pas recrutement vraiment non qui fait m'bra di nou sakrive jodi un petit jeune garçon qui habite Mortissant qui habite dans Fontamara dans premier dans deuxième troisième avenue si parents si maman si papa pas ka déloger pour le voyer et puis bah c'est si pour le voyer Delma pour le voyer Pétionville ou bien pour le voyer en dehors pour la jeune l'autre famille pour la au moins Ralon souffre, jodi a ti jeune garçon ça, li oblige rentrer dans gang là. Parce que le besoin protéger famille, le besoin protéger maman, le papa, le besoin protéger seul yo. Et li même do li besoin l'argent pour le fonctionner. Pays envie de mettre nous en situation côté que pas gen choix. Et mon ouais jodi yo qui a vive
dans quartier ça quartier qui réputé de nos droits qui au moins fait effort pour qu'en bête tu vois si yo pas délogé c'est peine perdue ni peine perdue parce que trouvons nous situation côté que bandi ça va pas exiger yo pas imposer un choix soit ou cohabiter avec yo soit quitter ça soit croiser quitter ça parce que pays a pas créé l'autre système pays a pas créé l'autre structure jodi a nous vulnérables parce que autorité a choisi rendre nous vulnérables. Regardez, depuis 1er juin gros bataille qui éclate pourquoi j'aime tendre côté DG Léon Charles sorti en communiqué de presse pour condamner ça fait là même l'homme connait yo pral rester passif yo pas prendre aucune action vraiment yo pas faire rien qui pour venir contrecarrer sa bandi yo a faire mais au moins montrer population que ça qu'a fait là nous gien yeux sous lui que ça qu'a fait là nous envie changer nous gien Claude Joseph qui c'est chef CSPN ni rete bekeke et comme si qui ça nous dit peuple là. Nous dit chaque monde dégager nous bandi a ba nous problème dans zone là chapper pour nous quitter l'aller alors que nous gè PNH qui là pour protéger servir nous gon force de police nous dit nous gè l'armée yo pas ka contre carré monsieur ça yo chef gang ça yo bandi ça yo rebelle ça yo groupe terroriste ça yo nous pas non pays nous pas vivre non pays. Tout bagay ça c'est politique traîner c'est nèg qui remet pouvoir nèg qui remet l'argent. On pas premier monde qui pral dit que gon audio k'ap circuler. Gon audio viral côté que autant de ti la pri k'ap parler k'ap dou que Chris la prend l'argent dans mes Toto Bank. C'est Toto Bank qui derrière toute bataille ça k'ap fait là. En sérieux, nan pays, côté audio y a fait pays. Faut que la justice t'arrête les Toto Bank pour questionner pour connait comment non le fait citer dans malversation ça oui comment non le fait citer comment entreprise fait affilié avec groupe bandi ça oui c'est même gens tout gros ensemble de questions qu'a posé tête oui il m'a même gens bandi gen moun ki pral courir prend micro la presse pour dire que c'est imagination bandi qui aller loin c'est même gens tout imagination comme citoyen qui aller loin pour dire tout pour poser tête question gon paquet kidnapping qui qu'on a fait dans pays est-ce que c'est pas pour nèg bourgeois kidnapping a fait pour joindre l'argent pour yo payer pour régler cause tout oui imagination nous aller loin parce que n'a vive non pays côté que dirigeant c'est dans l'imaginaire mais toi vivre. Yo a vive non bulle politique côté que sous besoin manger obligé penser que vent tout plein. Sous besoin belle tennis obligé penser nan pio parce que yo pas créé richesse, yo pas créé travail, ou pas gain accès à l'emploi. Donc ou vulnérable à tous les niveaux. Irresponsabilité autorité ou y a aller trop loin, li rivé trop loin jodi. Jodi a la pouvoir public là comme si on focus sur trois bagailles. Bon bam, trois bagailles là c'est si m'ta rentré Covid là la donne. Après ça c'est référendum, après ça c'est élection. Maintenant parlons de Covid. Si n'a parlé de Covid, nous pas qu'à prendre en considération plan d'accompagnement que gouvernement gagné pour accompagner cet hospitalier, pour l'accompagner centre de santé. Déjà là gen hôpital Saint-Luc qui sorti note yo pa ka recevoir malade Covid encore gen l'hôpital Canapé Vert qui sorti note yo pa ka recevoir malade Covid encore et chaque jour plus ministère santé publique a sorti note a sorti communiqué gen nouveau cas gen nouveau décès alors que population vraiment yo pa prend ça en considération n'a gardé pendant que l'état central a prend des mesures. Yo abdou fòk population respecte jes barrière yo. Fòk et tout activité qui gen pou wè avec et bal, festival, et fête champêtre, tout bagay ki ka réuni ou ensemble de foule yo interdit. Alors que là nan Delma, magistrat Wilson jeudi, irresponsable que li yo organise festival nan palais municipal, group moun pi soupe la frote, vin pran plaisir, vin babouche. Et puis c'est moun za ki di ou que qui voulait faire quoi que l'ICA président de la République. Côté moralité, côté le sens du devoir, côté l'obligation de protéger,
Ou pas capable pour protéger habitants dans commune nous et puis me pral remettre tout à ton pays, me pral dit que OK, Wilson je dis pour travail il fait dans dans commune Delma, il ramasse fatra, il fait ceci, il fait cela, me ca mettre le président m'a bal vote. Me pral vote ou, me pral croire dans ou, me pral croire dans propagande ou jamais. Parce que si nan ti bagay ki minime yo pas foutu pour respecter yo. Ou pas capable respecter des mesures administratives qui prend pour dou pas organiser des mouvements de foule, pas organiser des mouvements culturels. Ou fait quand même. Là, et pas irresponsable, irresponsable encore. Et puis après quelques jours pral rive là, ou pral tande quantité ka COVID qui gen dans Delma parce que ou pas respecter on l'ordre d'autorité centrale t'est passé. Si t'es, si t'as fait pays vraiment, si t'es gain pays, faut ministère de l'Intérieur t'a relé. Magistrat Wilson jeudi, convoquer, sanctionner, faire le payer amende, pas qu'on est. Faut mesure yo respecter, faut qu'on ka respecter autorité chico. Je dis à la tout moun pense yo c'est chef. De pour gon titan de dans pays ça ou c'est chef de pour gon machine officielle en bas dehors ou c'est chef ou pas respecter quiconque ou pas respecter aucun ordre aucun principe et puis nous dans fait pays qui pays si c'est ça moi nous fait pays à là si c'est dans dégradation nous mettez pays à là oui nous fait pays parce que modèle pays n'a fait à là son pays pour petit jeune n'a toujours senti vulnérable pour qu'a utiliser pour bal porter zam pour qu'a utiliser l'n'a fait kidnapping pour qu'a utiliser l'n'a fait manifestation bouler caoutchouc camper des barricades c'est jeunesse ça c'est pays ça a nous besoin et nous toujours battre l'estomac nous senti nous frustrés nous honte leur dit nous que Haïti c'est la Somalie de la Caraïbe donc pas besoin honte nous pas besoin gêné ni frustré parce que c'est nous mêmes qui créer conditions ça. C'est nous-mêmes qui créons phénomène là. C'est nous créer structure là. Jodi un petit jeune là qui pas gagne l'autre bagaille pour le faire, leur jeune zame là pour le porter, pour aller brasser moun dans la rue, la prend j'ai fermé. Ce que le connaît, cerveau gang là, chef bandi en son nèg costume lié. Li nan toute grand réunion politique, li nan toute visioconférence qu'a fait, li chita boko tout nèg. Li pas facile pour identifier et même le ont arrêté ti jeunes ça ti bandi ça li connaît la passe un mois en prison la passe 2 mois en prison nous pas un système justice qui fort grand chef la pral libérer le grand chef la fait libérer jodi en pratique ça faut que fini d'autant pas fini nous pas besoin penser à faire pays et pour niveau criminalité arrivé dans pays pour quantité bande organisée qui gagne là sous sol là 5 ans, 10 ans pas près pour baou l'autre Haïti, pour baou stabilité économique, pour baou stabilité politique, pour baou sécurité. Parce que d'autant politique là pas changé fusil d'épaule, on a toujours une instabilité ça yo. On a toujours une précarité ça. Parce que nèg yo créé système là. Yo créé structure là, yo créé spirale là. Parce que si politique l'an pas rangé, économie l'an pas rangé, sécurité l'an pas jamais joine. C'est un coup son roue qui a viré, la viré, la viré. Qu'on a dit de ton bagay? Ou même qui fait Matissan, qui grandit Matissan, ou par contre l'autre côté que Matissan. Et à l'époque où t'as vivre là, c'était calme. Jodi à là, si jeune qui levé dans mon, qui t'a pissé dans mais on c'est lui même qui vient avec un zam il pas besoin qu'on soute gens soute pierre soute grandon sous son ancien pour le terroriser pour le tuer pour l'aller alors que pas lié groupe gang ou pas travail à l'autre gang ou seulement non mauvais zone non mauvais moment et ou pas gain dirigeant qui a pensé pour jodi alors vivre dans un pays côté que vie moun gain moins importance que l'argent. Vie moun gen moins importance que politique là. Vie moun gen moins importance qu'on gren cartouche. Pour qui ça? Parce que dirigeant a décidé le comme ça, parce que politique là décidé le comme ça, parce que privilège nèg a joué en dedans pays a décidé le comme ça, yo vle le comme ça. Moun pa gen problème avec moun ka fait politique en dedans pays a. Seul problème li avec eux c'est que yo pa konn sa a faire. Yo pa konn comment politique fait. Yo pense politique, c'est vinn prendre avantage, c'est vinn faire l'argent et puis aller.
Yo pa konnen que politique fait pour changer la vie moun, pour changer condition vie moun, pour mettre équilibre dans pays. Maintenant ça arrivé. Nous faire constat. Jodi a la derrière chaque groupe gang gon politicien. Derrière chaque groupe gang gon nèg nan pouvoir, gon nèg nan opposition pour ki ça? Parce que c'est là intérêt oui. Faut que yo gen contrôle gang nan pour yo gen contrôle pouvoir. Faut que yo gen contrôle gang nan pour yo chavirer pouvoir. Et c'est pas sans, je gère pas la qui fait dans le pays, on pose des questions. Mais est-ce que c'est vrai, et gouvernement, t'as pas qu'à décider pour y'a bandit l'argent, pour y'a décapé, etc. Mais rien n'est possible. Bon, Bible a dit rien n'est possible à celui qui croit. Quel? C'est pas seulement quel, mais réalité politique la mandel, réalité politique la exigel. Je dis à la soudain si mon pouvoir public là, ou pas j'aime pas la tilapli, ou pas j'aime pas la ISO. Ou pas j'aime parler avec l'autre chef gang yo pour comment t'es gérer ou comment t'es manipuler yo ou non menti ak tête ou pour qui ça parce que population qui nan e commune sa yo qui nan circonscription sa yo ou besoin yo loi font activité et politique ou besoin yo loi faire des activités sociales pour faire web ou gen moun dehors et si pas mal chance ou pas gon contrôle sou ou quitter ces opposition politique là qui contrôle secteur sa yo qui contrôle périmètre sa yo ou foutu. Donc, que l'on veut ou non, jodi an, le nèg nan pouvoir vin di m ke, ou pa, yo pa jam parle avec bandi, yo pa négocier avec bandi, bandi c'est des hors la loi. Oui, c'est des hors la loi. Mais ce sont des hors la loi qui yo même yo gon importance nan pouvoir public la. Oh oui. Parce que l'on pa kontrole yo, l'on pa kon activité yo, l'on pa travay pou ou, l'on pa gère interwoa menacé. Maintenant, c'est qui interroge? Est-ce que c'est seulement intérêt politique ou bien tout le fait que bandits li a terrorisé population, kidnappé moun, a détourné camion moun, a volé affaire moun, est-ce que c'est pour tout l'ap travail? Est-ce que ça fait partie de l'intérêt? Tout ça, c'est des questions pour nous poser tête, non? Est-ce que le fait que la police par jambe ka rentre dans quartier ça yo pour éradiquer phénomène banditisme, pour combattre gang ça yo? Est-ce le fait de hasard? Est-ce que c'est parce que nèg yo vraiment est trop puissant ou bien bon moun nan pouvoir public là qui a dit halte là pas trop foncé ou bien la police pral vini jeter nous, la police pral vini préparer nous parce que faut nous questionner nous. Gen trop magouille politique qu'a fait en dedans pays. Gen trop magouille qui la cause des jeunes femmes, jeunes garçons perdu la vie inutilement. Moun nan sot travail, si moun nan sot l'école, la rentre la kaili, li pon bal maron matisan. Li pon bal maron nan Rue Saint Bernadette. La police pa epanye, ou ap gade sou commissariat, nan matisan krible avec bal. Policier pete kouri, policier ale. Est-ce que m'kaman de policier en rete pou le combat avec bandit, alors que li gon 9 mm nan men, et puis bandit en gon galil, bandit en gon M60 nan men? Non. Force yo disproportionnel. Gon déséquilibre nan force en présence yo. Moi même personnellement, je dis, on vle konnen ki sa la police, la justice décide fè avec bandi sa yo. Le moun nan volon bèf, yo menel devant juge de paix. Juge de paix a pas hésité, le foukèl nan prison, yo fermèl nan prison. Mais je dis, hein, le nèg la kidnap un moun, yo kon kote lge. Le nèg la tue un moun, la fait chaud télévisé, la fait chaud médiatisé. Zam ni nan mel, katouche li nan mel, tout moun wèl, visage découvert, pa ganye ka fait sou sa. Et c'est là tout m'vin comprendre notion bandi légal lan, sa ore le bandi légal lan. Parce que, je dis, hein, la groupe nèg kap terrorise moun. Téléphone ni nan mel, la fè live, la mette sou réseaux sociaux, li nan tout micro la presse, journaliste kon numéro tout gang ki gen nan capital lan, tout gang ki gen ki influent nan pays an, yo rele ou lè ou vle, yo parle avec ou lè ou pito, yo kon tout numéro téléphone yo. Mais oui, c'est des bandits légal. Journaliste nan li légal tout nan travail la fè. Des fois, on pose tête question, m'vin di tête mwen, talè, est-ce que journaliste yo sérieux? Yo tendon bagay yo di tale, bon mrele Izo. Bon mrele Tilapli, bon mrele Chris la pou m'pale avèl. Comme si de rien n'était, comme si c'est légal, c'est légitime.
Nous nous pays côté bandi ça malfrats ça a terrorisé population et puis nous-mêmes nous prenons comme des valeurs sûres. C'est légitime pour yo. C'est légitime pour vous même en tant que travailleur de la presse, en tant que directeur d'opinion. Ou rele au love, ou rele au l'hôpital. Et pas seulement quoi, c'est dans micro la presse, non nous rele yo. Ça qui arrive nous rele yo même à deux. Parce que m'a songé information qui t'a circulé comme quoi sénateur sénatus t'a mis dehors des informations qui concernaient et guerrier Henri avec et bandi. Et pas jamais gagne rien qui dit, pas jamais gagne et suivi qui fait pour le démentir, pour le pas démentir, pour la justice rele, pour chercher information, etc. En Haïti, la recherche de la vérité, c'est pas un bagage que nous cultiver, c'est pas un bagage que nous goumer pour lui, c'est pas un bagage que nous prêt pour nous sacrifier vie nous pour lui. Et ou même qui a bay vérité, ou toujours prêt pour mourir. Parce que nous vivons dans l'ignorance politique, nous vivons dans le mensonge politique, et moun nous prend pour sauveur, c'est lui même qui a condamné nous. C'est lui même qui a condamné nous. Parce que vérité a toujours caché dans une petite boîte, pendant que y a étalé mentiant, y a mis mentiant en avant pour y faire quoi, c'est vérité. Pour pas gagner la fête, ou à battre bravo, alors que ou à condamner vie ou encore. Et c'est pas sans raison qui fait nous, niveau de vie en Haïti, aussi bas comme ça. Système économique nous aussi bas comme ça. Précarité a aussi visible comme ça. Et c'est évident. L'on a vivre dans une société, côté que précarité, extrême pauvreté, li aussi palpable. Ou ap toujours joué un banditisme, ou ap toujours joué une violence sans yo. Ou ap toujours joué une haine, ou ap toujours joué un mépris une pour l'autre. Et c'est ça nous commençons à jouer comme résultat. Jodi on sore di, passe 5, 10, 15 ans de travail pour lui. L'or vin avec dans le pays, l'or gen là sous sol là, ou ap utilise l. Ti jeune nan li même. Qui fait 6 mois la travail ou bien qui pour jamais travailler en fois dans ville pendant que il gagne 30 puis gagne 35 ans la frustré ou jodi an loje non jeune k'ap bataille k'ap forcer la vie pour le kembe honnêteté pour le kembe crédibilité pour le kembe dignité faut encourager faut battre bravo pour lui parce que là en Haïti c'est pas facile c'est extrêmement compliqué pour un jeune rester vivre dans pays. C'est extrêmement compliqué pour un jeune décider servir pays. Jodi an wap jwenn paquet de jeunes femmes, jeunes garçons là. Gen pile ki nan yo ki fè choix rentrer dans PNH. Mais gen ki pa jamais rentrer dans PNH pendant là non, mais ki te yo jwenn bout de visa yo parti yo pral rentrer dans l'armée américaine. Nou konn pou ki ça? Nou konn pou ki ça différence an aussi flagrante comme ça parce que leur arrivé aux États-Unis, yo gen chance rentrer dans l'armée américaine même là yo konn yo pral bay vie pour un pays papa yo. Mais yo ta rien sacrifier vie pour pays yo pour un pays yo changer pas faire parce que côté yo yan yo ba yo des garanties. Côté yo yan yo ba yo des primes, côté yo yan famille en sécurité. Le yon mouri, famille yon a protégé le yon mouri. Mais là, vin servi Haïti. Vin sacrifier vous pour Haïti. Ou mouri nan exercice fonction en tant que policier ou pas ka enterré. Yon a bon 4 feuilles blanches. 4 bouts de bois ou collé ensemble comme cercueil. Yon a poto là-dedans ou pap, ou a tombé là-dedans. Et situation ça arrive déjà dans le PNH. Yon pas besoin de retourner sous ça. Je dis yon mouri comme policier, mais m'enterré femme ou pas ka enterré. Petit ou fait 15 ans ba en institution service, petit ou pas ka paye en moi l'école. Madame ou pas ka jwenn ti commerce pour le faire. Ma ou pas ka jwenn stabilité après. Parce que nous pas fait pays, parce que nous pas gen pays. Et c'est raison ça qui fait policier en tout l'envoyé là le combat bandit. Li toujours réticent parce que li connaît. Bandit ça, le l'arrêter bandit pral lagué puis devant et li même kap ciblé. Parce que bandi ça pral chercher konnen côté le cantonné nan ki commissariat nan ki sous commissariat li côté le rete côté le passé pour fizil. C'est nous mêmes c'est politiciens c'est autorité l'état qui créé irresponsabilité policière quelquefois. C'est autorité l'état qui créé défaillance institution PNH.
C'est au état-major la police qui crée vulnérabilité pour policiers. Policier a pas qu'à toucher, policier a pas qu'à manger. Pas mandé policier ça pour le camper sous deux pieds pour la faire point fixe. La vini nan matin à 6h. Kou 8h a fini le pral chèche un ti l'école li rentre le chita, li pral chèche un bus di son moun li rentre le chita, longe deux pieds le téléphone ni nan men la chat. C'est la triste réalité. Son réalité qui l'aide. Mais quelque part est-ce que le pas acceptable? Quelque part est-ce que nous pas toléré le comme ça? Quelque part est-ce que nous même comme citoyens, comme moun kap circule dans la rue yo, dans rue yo, dans zone yo, est-ce que c'est pas nous même qui paye conséquences yo? Jodi an la, en tant qu'haïtien, n'a payé conséquences, inconséquences autorité nous yo. Inconséquences mauvais choix politique nous fait, mauvais choix dirigeant politique nous fait. N'a vivre dans société côté que précarité vient, nous tellement pas qu'à manger, nous pas qu'à vivre. Nous obligé penser en bouche nous et comment nous ca satisfaire besoins sexuel nou. C'est seulement ça qui intéresse nous. Et si jeune nan jodi an lol gen 1000 goud nan mil, ki sa ki intéresse l, c'est côté le kal boule, côté le kal pété chawa. C'est ça nan tête yo, c'est ça nou ba yo. Mais c'est dommage, c'est dommage pays an pa ka continuer comme ça. Et c'est dommage si pays an continuer comme ça, nous fini nous foutu. C'est triste, mais c'est Haïti, ce sont nos dirigeants, c'est l'élite politique là, c'est la bourgeoisie, c'est autant de monde qui contribuait à dégradation pays aujourd'hui. Moment arrivé pour mettre un bout dans l'émission Mon Éditorial pour aujourd'hui. Émotion là, frustration là, colère yo traverse parce que parler de Haïti, parler de politique en Haïti, parler de sécurité en Haïti, ça a indigné. Ça indigne conscience, ça indigne moun ki ou ye. Parce que jodi an la, ouè jeune, ouè élève l'école là, qui sorti nan activité pour rentrer la cali, son bal maroc pral, li mouri. Ou bien bal la pral, li pa ka joine soin, li mouri. Ça li oblige révolter conscience. Li oblige révolter en tant que moun pour mande qui sa dirigeant ou vle faire ak peyi. Qui sa nèg politique sa ou vle faire ak peyi. C'est plein poche, c'est aller. C'est plein poche, et puis mandé encore. C'est mandé transition 2, 3, 4 ans. C'est mandé transition pour yon vin garoté. Yon non pouvoir public en toute légitimité, yon pas ka bay servi. Halte là, fok bagay sa yon fini, non bouke. Pays a bouke. Oh, dis quoi long. Mes amis principaux, li pas changé. Continuez à partager vidéo avec tout contacto. Quittez un commentaire, quittez un like. Et surtout, mes amis, restez connectés avec chaîne. Nous avons un paquet d'informations pour nous barrer. Nous avons un paquet d'analyses pour nous faire avoir, pour nous aider à comprendre ce qui a passé puis bien dans le pays. Rendez-vous en l'icassé pour dimanche, si Dieu veut. Parentèle sous aucun prétexte. Émission apparaît encore plus intéressante et plus bagaille pour apprendre des micro-présentations. C'est toujours même Yannick la même voix. On n'y a pas changé. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, ou et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle pays, nous prenons le fait débat, c'est toujours même Yannick Lan, même voix. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.